Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, nous allons tester le tout nouveau DJI Mavic Mini en photogrammétrie afin de créer un modèle 3D de cette statue qui est derrière nous. Ça nous permettra de se faire une idée des performances de ce petit appareil dans cette discipline. Alors, bien entendu, c'est pas du tout un appareil qui a été conçu pour ça. Il y a d'autres aéronefs qui sont bien plus adaptés que le Mavic Mini pour faire de la modélisation 3D à partir de photos. Ceci dit, c'est intéressant de voir pour ceux d'entre vous qui auraient envie de s'essayer à cette discipline, de voir si le Mavic Mini peut déjà fournir un rendu correct. Alors, ce qui va influencer la qualité du résultat, c'est principalement deux choses. Tout d'abord, c'est la taille du photosite et la focale de la caméra qui vont influencer la résolution. Et on a intérêt à avoir une résolution performante pour avoir le plus de détails possible dans le modèle 3D. L'autre paramètre qui va beaucoup influencer la qualité du résultat, c'est également la performance de l'optique, qui est assez petite sur le Mavic Mini. Alors, on va faire le test autour de la statue. Donc, l'idée, c'est de modéliser en 3D cette statue. On va tourner autour en simulant manuellement un point of interest. Donc, on va essayer de rester à une distance à peu près constante de la statue pour avoir des photos homogènes. Et on va faire cette trajectoire circulaire à plusieurs hauteurs. L'idée, c'est d'avoir environ une petite centaine de photos qu'on va injecter dans Agisoft MetaShape pour créer le nuage de points et puis le maillage, ce qui va nous donner le modèle 3D. Alors, on va également faire un autre test de modélisation de cette parcelle. Donc là, je vais mettre le Mavic Mini à bonne hauteur, je pense à une cinquantaine de mètres. On va faire les photos à 90 degrés vers le bas. Toutes ces photos vont être injectées dans MetaShape et on va voir si on peut bien modéliser cette parcelle. Avant de décoller, un dernier point important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de Mission Planner, ces applications qui vont permettre le paramétrage d'une trajectoire automatique et une bonne répartition des clichés. C'est pour ça que je vais faire toutes les photos manuellement. Alors, est-ce que les DJI GS Pro, les drones Harmony et autres Pix 4D vont gérer le Mavic Mini un jour? Ça, j'en sais rien du tout. À voir ce que l'avenir nous dira. Allez, c'est parti, on fait décoller le DJI Mavic Mini et on va essayer tout ça. Donc ça fait 20 minutes que je vole, j'ai fait toute la captation, c'est assez fastidieux parce qu'il faut tout faire à la main. Après, ce que j'apprécie, c'est la bonne autonomie. Voilà, donc on a encore 10 minutes de rap, donc là c'est pas mal. Et puis le pilotage est assez doux, donc voilà, c'est pas déplaisant, on arrive à être assez précis sur les photos. Voilà, donc 20 minutes de captation. On a des conditions à peu près idéales parce que la lumière n'est pas trop brutale, il y a une couverture nuageuse. Ceci dit, ça nous crée des fois des variations de lumière, donc il faut essayer de jongler avec. Maintenant, je vais procéder au second test qui est de faire un vol. Je vais mettre à 50 mètres, caméra vers le bas. On va scanner toute la parcelle. Donc là, ça va être assez compliqué de faire des photos à peu près bien réparties avec un bon niveau de chevauchement. Tout ça, ça va être, on va dire, un petit peu à l'estimation. Et ça nous donnera donc deux exemples de captation avec le Mavic Mini, une statue, une parcelle, et on va voir ce que ça donne en termes de modèle 3D. Pour la captation en manuel, ce sera à l'estime en cédant des repères quadrillés qu'on activera sur l'interface de DJI Fly.
Donc c'est quand même un truc de galérien parce qu'il faut se taper toutes les photos à la main. On est à 50 mètres de haut, je pense que la résolution, je l'ai plus en tête, mais on doit être à 2 cm par pixel avec ce capteur. Je remarque que la caméra ne reste pas à 90 degrés après chaque translation, mais ce n'est pas bien grave. Essayez d'avoir des trajectoires rectilignes et puis des chevauchements d'une photo à l'autre qui ont une certaine constance. Voilà, donc là j'ai terminé. Je ne sais pas combien j'ai fait de photos, mais je pense que ça va suffire. Allez, on va poser le monstre. Voilà. On a terminé les photos, maintenant on récupère la carte SD, on injecte ça dans PhotoScan. On va devoir faire mouliner la solution pas mal d'heures, hein, vous vous rappelez, pour faire le nuage de points denses et puis le maillage, ça prend pas mal de temps. Et puis derrière, on va pouvoir apprécier ou pas le modèle 3D généré avec le Mavic Mini, mais je pense que ça va donner quelque chose de correct. Ce sera pas au niveau d'un Phantom 4 ou d'un Mavic 2 Pro, mais je pense que ce sera tout à fait acceptable compte tenu de l'engin, de son prix, et puis dans une optique de faire des essais, de s'initier à la photogrammétrie, je pense qu'il n'y a pas de problème. A tout de suite sur l'ordinateur. On transfère les 80 photos du Mavic Mini dans MetaShape et déjà, avant alignement, on voit que les localisations des photos sont cohérentes avec la captation. C'est déjà un bon point car ça n'a pas toujours été le cas sur des drones précédents. Les photos de 12 mégapixels sont rapidement alignées et on peut définir la région de création du nuage de points denses pour se concentrer sur le monument. Quelques dizaines de minutes ou heures plus tard, selon la configuration matérielle, le nuage de points denses nous donne déjà un bon aperçu du résultat. Le calcul du maillage est lancé et, encore un long moment plus tard, on peut apprécier le modèle 3D en filaire, en plein ou coloré. Enfin, reste à appliquer le traitement texture pour apporter plus de réalisme au rendu, qui est très réussi malgré les limitations du capteur. Au-delà de ce rendu, géométrie et échelle sont bien respectées, donc c'est un autre bon point pour le Mavic Mini. Les 60 photos sont traitées de la même manière que précédemment dans MetaShape, alignement, nuage de points denses, maillage. Notez que ce workflow serait identique sur un autre logiciel de photogrammétrie. Encore une fois, les photos sont localisées de manière cohérente par rapport à la captation. Le résultat est moins convaincant que précédemment du fait de la faible résolution à cette hauteur, mais il est juste et encore géométriquement correct. Enfin, juste par curiosité, j'injecte les photos du DJI Mavic Mini dans le logiciel de planification de mission et de photogrammétrie DJI Terra, et là, encore une fois, j'obtiens un résultat appréciable. En conclusion, le Mavic Mini est capable, dans le domaine de la photogrammétrie, du moins pour s'initier à l'activité. Faute d'un SDK disponible pour le Mavic Mini à l'heure actuelle, les développeurs de Mission Planner ne pourront, en l'état, rendre compatible ce nouveau drone avec leur application. Sans planificateur de mission disponible, la condition est donc de passer par une captation en manuel, qui peut être fastidieuse et qui implique de soigner la répartition des photos et le maintien d'une distance constante au sujet. Donc
Donc ceci complète cet essai du DJI Mavic Mini dans le domaine de la photogrammétrie. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.